Les chantiers écoles de cette envergure-là, nous n'avions jamais eu l'occasion d'en faire et ça nous a permis d'intégrer, je dirais, tous les diplômes que nous faisons du BTS au CAP. Et plus particulièrement pour les BTS, c'était aussi une vraie préparation à l'examen. L'objectif du chantier école, il est évidemment d'abord de permettre aux jeunes de concevoir, d'accompagner et de réaliser un projet dans les conditions du direct, c'est-à-dire un projet réel, pour leur permettre d'acquérir simplement l'expérience dont ils auront besoin lorsqu'ils voudront ensuite chercher un emploi sur le marché du travail. Un des constats que fait la profession aujourd'hui, c'est que nous manquons cruellement de collaborateurs avec d'énormes difficultés pour recruter des compagnons. Et il nous a semblé intéressant, à travers ce chantier école, de faire partager l'enthousiasme pour nos métiers à ces jeunes apprentis qui seront les acteurs de demain dans nos entreprises. Dans ce métier, dans ce secteur d'activité, c'est de pouvoir travailler avec mes mains, mais en même temps avec mon esprit et ma tête. Chantier école, ça apprend beaucoup de trucs par rapport aux ateliers pratiques qu'on fait à l'école, parce que là, c'est comme un vrai chantier, quoi. On pose et puis on découvre, on apprend en même temps. Les enjeux et les objectifs de ce chantier école étaient doubles. L'un, d'attirer l'attention sur l'importance de la sécurité dans nos métiers, et deuxièmement, de faire la promotion de l'économie circulaire. Et à ce titre, nous avons valorisé les matériaux excavés pour les remettre en situation dans la suite de l'opération.